Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Aujourd'hui, je vous propose la recette de Marcoda, des galettes de pommes de terre aux épices très populaires au Maroc et dans les pays du Maghreb, des galettes qu'on consomme telles quelles ou en sandwich ou pour accompagner des soupes. Pour les ingrédients, il nous faut 600 g de pommes de terre nettoyées, lavées et coupées. Ici, c'est une variété spéciale frite. Une cuillère à soupe de persil ciselé. Une cuillère à soupe de coriandre ciselé. Un oignon vert ciselé finement. Un œuf entier. Deux gousses d'ail râpées. Une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café de cumin. Une demi-cuillère à café de curcuma. Du sel et du poivre. Je commence par faire cuire les pommes de terre dans un grand volume d'eau froide salée. Il faut compter du moment de l'ébullition 15 à 20 minutes. Je les égoutte et les place dans un saladier et je les écrase avec un presse-purée. Je rajoute le reste des ingrédients, le poivre, le sel, paprika, cumin, coriandre, persil, oignon vert, ail et l'œuf entier et je mélange bien les ingrédients ensemble. Et une fois bien mélangé, je laisse complètement refroidir. Une fois ma préparation refroidie, je vais tremper les mains dans l'eau. Je vais prendre un peu de préparation que je vais confectionner en boule et je l'aplatis. Ensuite, je vais passer cette galette dans de la farine et je mets de côté. Je continue avec le reste de la préparation. Je fais chauffer de l'huile dans une poêle et je vais placer les galettes pour les faire dorer. Je fais attention aux éclaboussures. Je retourne ensuite les galettes pour faire dorer l'autre face. Et une fois les galettes dorées des deux faces, je les retire de l'huile et les place sur du papier absorbant. Il ne vous reste plus qu'à déguster les Marcoda chaudes ou tièdes. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter et Instagram. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.